Pour marquer ses 64 ans, la native de Ouida au Bénin, Angélique Kidjo, a ébloui la scène de la 32e édition du Festival des Vieilles Charrues en France. Ce fut l'occasion de présenter son nouveau single « Sunlight to my soul », sorti le 13 juillet, la veille de son anniversaire. Toujours tonique et énergique sur scène, la musique vit en elle. Je suis reconnaissante de ça. C'est un don que je partage avec le plus grand nombre de gens sur mon continent. Donc il était temps pour moi de le redonner aussi. Donc je dis « Sunlight to my soul », mais en fait c'est « Sunlight to my soul » pour tout le monde, que tout le monde s'aime. Parce qu'on commence par régler les problèmes en s'aimant soi-même et pouvoir aimer aussi l'autre. À plus de 40 ans de carrière, elle est désignée comme une machine à trophées. Cette icône de la musique fait vibrer le monde par son talent unique. La musique me tient jeune et puis se remet toujours en question. Et venant d'un continent aussi riche culturellement, il ne peut pas y avoir de fin. La fin viendra quand la nature me fera comprendre que je ne peux plus chanter. C'est que ça seul qui me fera m'arrêter, c'est tout. 5 fois lauréate des Grammy Awards, la célèbre chanteuse-compositrice Angélique Kidjo a à son actif une vingtaine d'albums. Elle chante la paix, l'amour et la bravoure, avec l'Afrique comme source d'inspiration.